Nous sommes en 1838. Vous avez embarqué à bord d'un baleinier à trois mâts, le Rune, en tant que l'un des 21 membres d'équipage sous le commandement du capitaine Lucien Royer, qui s'est lancé dans une chasse à la baleine de la dernière chance pour garder son bateau. Mais, quelques semaines après avoir quitté le port du Havre, les cétacés se font rares. Vous êtes tous dans l'une des quatre baleinières du Rune. Les baleinières sont ces embarcations, ces barques que l'on met à l'eau lorsque l'on a détecté les cétacés. Certaines nageoires caudales ont pu être aperçues, alors c'est l'enthousiasme. Vous êtes tous les quatre, dans une baleinière accompagnée de quelques membres d'équipage, notamment Arthur Toupin et les frères Fourny. Devant vous, un peu plus loin, à quelques encablures, il y a deux autres baleinières. Et vous formez une sorte de triangle pour enfermer les baleines, ou plutôt peut-être la baleine que vous avez détectée, comme une sorte d'étau. Mais cela fait maintenant quelques minutes que vous les cherchez et que malheureusement vous ne les trouvez pas. Quand soudain, une éclaboussure au milieu de votre triangle, une nageoire, une queue. Et alors vous entendez Bernard Perrin, le second, qui est sur une autre baleinière. « C'est assez en vue ! C'est assez en vue !» À ce moment-là, toujours dans une autre baleinière, vous voyez un harponneur, le dénommé Caïmo, qui se met sur la proue de sa baleinière et lance immédiatement son harpon sur la baleine. Le harpon perce la chair, il fait donc mouche. Et la baleine furieuse plonge. Elle se met à tirer sur la ligne qui se déroule et qui entraîne la baleinière de vos amis. Elle est sous l'eau. Que faites-vous? Est-ce que moi j'ai un harpon aussi de mon côté? Je suis harponneur. Vous avez tous ce qu'il faut à proximité. Après, chacun fait en fonction de ses rôles. Donc oui, la réponse est oui, c'est une lance, hein, le harpon. Eh ben, je lance mon harpon pour essayer de toucher la baleine et l'attraper. Alors, elle est encore loin de toi. Ah, elle est encore trop loin. Ouais, parce que vous êtes à plusieurs encablures des baleinières. En revanche, elle est en train de plonger. Okay. Alors, je demande au lieutenant. Lieutenant, on le suit, on avance. Je suis à la barre, moi, je tiens les... Emilien, c'est toi, lieutenant. Peut-être. Je suis avec lui sur le bateau. Oui, okay. Vous êtes souqué, tous là. Souqué. Allez, je souque. Vous vous mettez à ramer. Préparez-vous. En direction de la baleine, ou en tout cas, de la baleinière de vos amis qui est en train de fuser, complètement tirée. Vous vous rapprochez, et la baleine furieuse, vous la voyez tire sur la ligne de plus en plus, et vous vous rendez compte que si vous attendez, vous risquez d'être percuté par la baleinière de vos amis, car la baleine ne sort pas de l'eau. Vous voyez un filet de sang qui émerge à la surface de l'eau, la blessure de l'animal. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? C'est l'un des frères Fourny qui t'appelle. Virez de bord! Elle nous fonce dessus! Virez de bord, essayez d'éviter! Rameur, souquez! Je vire de bord. Moi, dès que je suis à portée. Je vire de bord. Dès que t'es à portée, tu tireras, j'ai entendu ça. Barreur, tu n'es pas le seul, bien sûr, à ramer, mais je vais te demander un test. Tu vas me lancer 2 dés, difficulté 6. Fait 8 et 2. Parfait. Tu vires de bord. Ce qui se passe, c'est que la baleine se met à émerger, vous l'évitez, elle passe non loin de vous, toujours en tirant vos amis, et vous voyez que l'un de vos amis sur l'autre baleinière est tombé à l'eau. Mais la baleine est maintenant à quelques encablures de vous, sortie de l'eau, toujours en tirant sur la ligne. Que faites-vous? On a des bouées, quelque chose pour envoyer... La mer est agitée avez... ou elle est relativement calme? Relativement calme. Voilà, il sait nager. Ok, on va quand même lui envoyer une bouée. Surtout qu'il est pas tout prêt, hein. Ouais. Oui, non, la priorité là, c'est si c'est la baleine. La baleine. Ah ouais, vous la voyez. Oui, on la suit. Elle est juste là. Elle est furieuse. L'autre baleinière commence à retirer sur la ligne, à essayer de l'enrouler. Ça la met dans une rage folle. Elle se met à frapper avec sa queue et se rapproche dangereusement de vous, mais toujours en surface. Elle n'a pas encore plongé. La baleine fonce dans votre direction, tirant aussi l'autre baleinière avec elle.
Il y a combien de baleines? Allez, Martin. Qui sont attachées là? Combien de harpons? Une seule. Une seule, un seul harpon pour l'instant à toucher sa cible. Est-ce qu'on est à portée pour que Martin puisse tirer? Il peut. Ok. Allez, Martin. Si je suis à portée et que je considère que c'est bon, je tire. Tu vas me lancer 2 dés. La difficulté va être de 8. Ok. Il n'y a pas de point de fortune aujourd'hui. Hein. Alors, véridique, j'ai fait 10 et 10. Je te crois. Tu lances le harpon. Elle se plante dans le dos de la baleine. À nouveau, la mer se teinte de sang. Et la baleine furieuse maintenant est touchée par 2 lignes. Ça commence à faire beaucoup. Elle plonge sous votre baleinière. Et alors, vous sentez et vous entendez une sorte de choc sous la baleinière. Vous mettez à trembler, vous manquez tous de tomber. Vous me lancez tous 1 dé. Difficulté 4. Un seul dé. Oh, damné. 3. J'ai fait 6. 8. 1. Tous ceux qui ont fait en dessous de 4. Ah, c'est toi qui as fait 1. T'as fait 1. Ok. Louis, toi, tu tombes par-dessus bord. Les autres, comme vous pouvez vous parvenir à vous rattraper, à ne pas tomber, les autres membres de l'équipage, c'est pareil, ils ont réussi à se maintenir. En revanche, toi, Louis, tu tombes. La baleine réapparaît non loin de vous, mais pas dans l'axe. Elle est blessée, elle est furieuse, elle frappe de partout. Louis, toi, tu as été déporté un petit peu plus loin de la baleinière et tu es menacé de prendre un coup de nageoire caudale. Que faites-vous ? Un homme à la mer ! Je prends, histoire d'éviter le choc. Ok, je te préfère un test après peut-être. Les autres, que faites je peux quoi ? Réarmer mon lance-harpon. Alors en fait, c'est pas un lance-harpon, hein, c'est une lance, hein, vraiment. Ah, pardon, c'est un harpon, autant pour moi. Ouais. Je prends un autre harpon et puis c'est un harpon. Ouais, pardon. Okay. Vous n'êtes plus à portée pour que tu peux le tenter de lancer le harpon ou de frapper, mais faut se rapprocher pour ça, si tu le souhaites. Ok, alors dans ce cas-là, je vais peut-être faire autre chose. Je suis à loin de ceux qui sont tombés par-dessus bord. De Louis, pas tellement. Des autres, oui, ils sont en train de ramer dans votre direction pour se rapprocher. Je balance le harpon, pas du tout la pointe en avant, en direction de Louis. Parce qu'en fait, le harpon, j'imagine qu'il est accroché à une corde pour qu'il puisse s'accrocher. Et du coup, je maintiens la corde, je la laisse couler un peu entre mes mains pour qu'elle parte et qu'il puisse s'y accrocher. Intéressant. Je te fais pas faire de test. Tu lances le harpon. Louis, ça tombe à quelques mètres de toi. Tu m'as dit que tu nageais. D'abord, tu plongeais pour éviter un coup. Tu sens les remous autour de toi. Et tu as un des frères fournis, Emilien, qui se tourne vers toi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rapproche pour la planter? Ou est-ce qu'on se détourne? Elle risque de nous percuter avec sa queue. La priorité, c'est la baleine. Ça fait trop longtemps qu'on en cherche une. Je demande à un barreur de tenir la corde pour essayer d'attraper Louis. Essayer de tenir la corde le temps qu'il l'attrape. Mais la priorité, c'est la baleine. Elias, est-ce que tu cherches de la corde ou est-ce que tu veux faire autre chose? Non, si la priorité, c'est la baleine, je vais me diriger vers la baleine. En faisant attention de ne pas emmêler les cordages avec celles de l'autre baleinière, parce que j'ai pas envie qu'on ça nous envoie par le fond. Absolument, donc on va avoir plusieurs choses à faire. D'abord, Louis, tu remarques, tu remontes à la surface et tu vois que l'un des frères fournis est en train d'essayer de te ramener. De te ramener en tirant sur la corde qui t'a été envoyée. Il s'agit de Lionel, l'aîné des deux frères, et commence à tirer. Mais toi, tu es secoué partout. Il y a la nageoire qui frappe non loin de toi. Faut que tu essaies de nager pour l'éviter. Je vais te demander un test. Ça sera pas trop difficile. Tu vas lancer 2 dés. Et la difficulté va être de 6. 7. Parfait. Tu parviens à éviter un énorme coup de nageoire juste à côté de toi. Et toi, Elias, Emilien, tu peux aider également, tandis que votre ami Martin se tient prêt avec le harpon. Il va falloir manœuvrer justement pour ne pas emmêler les cordes tout en se rapprochant. Je vais vous demander un test. Celui qui veut va me lancer 2 dés, difficulté 6, et aura un bonus de plus 1 de par l'autre qui va l'aider. Et puis l'équipage qui se... Pour faire quoi? Pour lancer le harpon? Pour s'approcher et sans...
sans emmêler les cordes et manœuvrer pour que toi tu puisses faire quelque chose ensuite. Moi je m'occupe. Si elle est si proche de moi, la baleine là, est-ce que je peux éventuellement tirer l'autre bout de la corde et prendre le harpon et essayer de la planter en direct, vu que j'arrête pas d'arrêter des. Alors, ça me paraît très compliqué, mais bon. Tu peux, mais tu t'exposes à de très sérieux risques. Ouais, non, je. En allant si proche d'un cétacé comme ça, furieux et blessé. Hein. J'essaye de remonter sur la barre. D'accord. Ouais, non. Parfait. Quel est votre résultat, messieurs? Qui est-ce qui doit lancer? J'ai pas bien. Moi, l'un de vous, soit Emilien, soit toi, Elias. Si quelqu'un lance. Parfait. La manœuvre est réussie. Vous rapprochez. Tu as une ouverture, Martin, si tu le souhaites. Soit en lançant un harpon, soit en frappant directement. Ok. Les autres baleinières se rapprochent. Elles sont bientôt à portée de la baleine. Si tu frappes directement, je frappe quel endroit de la baleine? Là, ça serait la base de la queue, si j'ose dire. Tu vois, les pigots, non, je préfère lancer vers une partie un peu plus vitale, genre la tête. D'accord. Ok. Lance-moi 2 dés, difficulté 6. Le cétacé commence à faiblir. 8. Ça touche. Ça la transperce donc pour la troisième fois. Et là, c'est vraiment l'énergie du désespoir. La baleine se met à plonger. À plonger et à s'éloigner en direction de la troisième baleinière. En fonçant dessus et en vous emportant avec, vous avez toute votre baleinière qui est en train de glisser sur l'océan par la force désespérée de cette baleine. Et il se passe quelque chose. Toi, tu es en train d'essayer de remonter. Ah oui, Louis, tu vas me faire un test pour voir si tu arrives à remonter avant d'être tiré par la baleine. Et éventuellement, si tu te prends pas une partie de la baleinière dans la tronche. Ouais, clairement. Tu vas me lancer 2 dés, difficulté 6. Est-ce que à ce stade, c'est vraiment un peu hors du commun de voir les baleinières qui se font emporter comme ça, ou c'est normal? Non, c'est très dangereux de toute façon, c'est normal. Ouais. Ok. Aucun. C'est dangereux, c'est pas surprenant. Ah ok, c'est pas surprenant, mais c'est dangereux quand même. Pas de problème. Ah, c'est dangereux, mais ça peut arriver, il n'y a rien de surprenant. C'est dangereux. Tu es presque remonté alors que vous êtes tiré. T'es sur le bord de la baleinière, Louis. Et tu risques vraiment de tomber si tu n'es pas aidé. D'un autre côté, moins vous êtes nombreux pour manœuvrer la baleinière, alors qu'elle est tirée comme ça, plus à risque qu'elle se retourne. Comment vous organisez-vous pour ça? Dites-moi. Ok, moi je l'aide, normalement je suis pas en train ni de ramer ni de barrer, du coup je suis le premier à me mettre accroupi pour essayer de tirer. Ok. Moi je maintiens la barre. Pardon, vas-y. Okay. Emilien, tu es aidé par le plus jeune des deux frères, Jean-Baptiste, pour essayer de monter Louis à bord, tandis que vous êtes tiré. Toi, tu sens sur tes pieds la mer, l'écume, Louis. Tu es presque emporté, mais finalement, tu es tiré à l'intérieur. Et Elias, tu remarques quelque chose alors que tu es en train de manœuvrer au possible pour essayer de rester en équilibre. Tu vois que la ligne, elle tire, elle glisse comme ça. Et tu vois une petite fumée qui se dégage de la ligne, de la corde qui est en train d'être déroulée. Comme si elle était sur le point de prendre feu. C'est un accident qui peut arriver dans ces cas-là, à cause de du cordage et de la vitesse. Et tu remarques ça, alors tu essaies de manœuvrer. Que fais-tu? Quand ça arrive, généralement, on a l'habitude quoi, de mouiller la corde ou Il faut mouiller, mais ça peut t'empêcher de. Ça empêche. Il n'y a pas quelqu'un à côté à qui je peux donner l'ordre, entre guillemets, de le faire? Il y a plein de monde à côté de toi, et tous ceux que j'ai décrits depuis le début. Le plus proche, je sais pas lequel ça va être. Hein. Je vais lui dire « mouillez la corde, elle va craquer, elle va brûler !» Si je suis pas loin, je m'en occupe. Ok. J'étais en train d'essayer de tirer Louis quand j'entends Elias crier. Je sais ce qui arrive, donc moi aussi je vais aussi faire le même ordre. Parfait. Donc, toi, tu essaies de t'en charger, harponneur. Tu es épaulé par l'autre personne qui est avec vous, qui est le frêle Arthur Toupin. Et vous vous employez à ça pendant que vous glissez. La baleine est en train d'émerger. Elle fatigue, elle réalise un cercle. Et vous êtes maintenant bientôt les trois baleinières extrêmement proches. Mais c'est toujours vous la plus proche. Et vous entendez un ordre du second, Bernard Perrin, qui est sur la deuxième baleinière. « Allez-y, achevez la baleine, vite, avant qu'elle plonge à nouveau !» Sinon, elle va tous nous emmener. Okay.
je balance un nouveau harpon sur la baleine. Les barreurs, vous passez pas loin de celui à qui vous avez jeté la bouée. D'accord ? Et vu que vous êtes quand même tiré et que la baleine, elle fait un cercle comme ça, vous êtes un peu projeté dans la direction de cette, ce pauvre individu qui est sur la bouée. Que faites-vous ? Si vous ne faites rien et que vous vous concentrez que sur la baleine, il y a un risque de percussion. Pas obligatoire, mais c'est un risque possible. Il n'y a que nous, les barreurs, qui voyons ça ? Je pense que Louis le voit aussi, maintenant qu'il est remonté et qu'il a repris ses esprits. Dans ce cas-là, si je le vois que d'un œil, je vais dire à Louis, « Louis, Louis, préviens-le, dis-lui de plonger, fais quelque chose, moi je suis occupé !» Ouais, je fais signe de plonger, quoi. Ok. Ou je lui jette Barreur... un bout, et je peux lui jeter un bout. Non, on va lui aller dessus. Ok, Barreur, tu vas me faire un test. T'as eu un petit peu moins de soutien, les autres sont occupés sur la corde, tout ça. Tu vas me lancer un dé. Difficulté 4 ou 6, en fonction du résultat. 6 c'est mieux, 4 c'est moyen. Je fais 10. Écoute. Tu es le Superman des barreurs. Tu parviens à ralentir, à profiter du fait que la baleine elle-même faiblit. Et donc tu effectues une sorte de freinage en guidant également les autres barreurs qui t'épaulent. Et vous arrivez à portée de la baleine. Harponneur. Ben j'harponne. Tu es maintenant tout prêt. Tu harponnes la baleine. Les deuxièmes baleinières sont maintenant au corps à corps également. Et vous voyez les harponneurs qui font leur travail. Le sang coule à flot. Et le cétacé faiblit jusqu'à ne plus que flotter. Et il est achevé. Et ensuite attaché pour pouvoir être ramené au bateau. Vous entendez le second Bernard Perrin. Bien joué les gars, belle prise. On la remonte rapidement maintenant. What? Super. Ouais. Bien joué. Moi je félicite tout le monde. Mais, par contre, est-ce que le fait là, il y a encore un risque qu'elle nous échappe ou Non. Non non. Il y a encore un risque qu'elle balance un coup de queue ou un, tu sais, une sorte de réflexe ou d'énergie du désespoir, mais qu'elle vous échappe, non. Il n'y a plus qu'un amas de sang maintenant entre vos trois baleinières. Okay. Une fois la chasse achevée, moi j'irai voir celui qu'on a peut-être esquivé quand on a quasiment achevé la baleine. Là. Est-ce qu'il s'en est sorti ? Est-ce qu'on l'a ramassé, quelqu'un ? Voilà, c'est l'une des sa propre baleinière hein, qui l'a ramassé. C'est un dénommé Pierre Sailly. Est un ancien militaire, un harponneur. Et il est un peu secoué, tu vois, mais rien de bien méchant. Vous avez clairement évité le pire. C'était une chasse plutôt rythmée, plutôt virile, mais le risque était réel. Mais aucune perte, aucun blessé. On peut considérer que c'est un vrai succès. Il vous fait un signe d'ailleurs quand il remonte. Il est complètement trempé, bien sûr, au même titre que Louis. Merci les gars, bien joué! Il vous fait un petit salut militaire d'ailleurs, comme à son habitude. Et vous tirez le corps du lourd cétacé jusqu'aux ruines. D'autres se chargent d'attacher la baleine à des chaînes pour ensuite la remonter. Et vous vous hissez sur le navire. Le rune est un trois-mâts. Un trois-mâts qui a vécu. Vous le voyez sur sa mâture relativement usée, mais tout de même solide. C'est un bon bateau, simplement. Il a de l'expérience, autant que vous, autant que votre capitaine. Et c'est un navire noble. Et comme toute chose noble, il se dégage de ce navire une pesante tristesse. Pour autant, il tient, et il est votre espoir d'avoir un peu d'oseille pour vos diverses raisons. Et lorsque vous montez à bord, vous entendez une voix bien connue, bien grasse.
Mes petits gars, bien joué les gars, je l'ai vu, c'était fantastique. Maintenant, on va se remplir le gosier. Vous l'avez bien mérité. Vous avez le gros Joseph Porcher, qui est l'artilleur, car il y a encore des pirates dans ces eaux, et donc vous disposez de quelques canons. Et il arrive avec les gamelles, il est déjà en train de distribuer ça à tout le monde. Et vous entendez certains membres de l'équipage qui lui disent « Fuyez, fuyez, Porcher va tout bouffer !» On n'a qu'à le bouffer à la place de la baleine. On va prélever son gras, ça nous rapportera encore plus. Tout le monde se marre, on vous donne des tapes dans le dos. Et Emilien, la première personne qui t'aborde lorsque tu montes à bord, c'est le capitaine Lucien Royer en personne, qui est ton cousin. Il s'approche de toi, il fait un petit sourire discret à vous autres, aux membres de l'équipage. Bien joué les gars, c'était une belle chasse. Félicitations. Et il tend la main à Emilien, son cousin, pour te la serrer. Ok. Je suis assez fier de moi sur ce qui vient de se passer. Et donc du coup, je serre la main de manière ferme et je bombe un peu le torse parce que je suis... voilà, j'espère qu'il est content de moi en tout cas sur... s'est passé, moi je suis content de moi. Il a l'air satisfait. Alors c'est pas quelqu'un d'extrêmement expansif, sauf lorsqu'il donne des ordres, mais s'il te serre la main, c'est un geste qui vaut quelque chose. Je dis, Emilien, j'ai vu comment sont tenus les hommes et comment tu avais tenu la baleinière. J'ai bien cru qu'elle allait nous échapper, j'ai observé ça du bateau. Bernard Perrin a fait tout ce qu'il pouvait, mais si vous ne l'aviez pas rabattu, et j'ai vu que vous avez pris des risques. Louis, viens là, Louis. Je m'avance tout penaud. Je suis tombé à l'eau, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose, d'avoir été incompétent. Bon. C'est pas grave, mais ça aurait pu être pire. Mais ça sera pour une prochaine. Ce qui compte, c'est qu'on ait eu la baleine. Désolé, ça, c'est une belle prise. Navré. Non. Je ferai mieux la prochaine fois, mon capitaine. Vous excusez pas, la sœur. C'est important, regardez ça. Regardez cette belle prise. Et vous voyez tous là. La baleine qui est en train d'être hissée sur le rune. Vous voyez les lourdes chaînes qui sont en train de remonter, l'énorme cétacé. Et vous pouvez bien la voir, c'est une superbe prise. Une baleine énorme, bien grasse. Et demain, lorsque vous serez repu, lorsque vous aurez fêté cette victoire, certains pourront en prélever la graisse, qui est la source première de l'oseille que vous ferez grâce à ça. Ah, ce n'est pas fini cette chasse, comme le dit d'ailleurs le capitaine Lucien Royer. Mais c'est une première belle prise. Cela faisait des semaines, c'est la première d'une longue série. J'espère que vous y croyez. Ouais. Vous avez entendu Joseph? Vous allez avoir le droit de manger. Mais précipitez-vous, sinon, comme l'ont dit les autres, c'est lui qui bouffera tout, vous le connaissez. Tout le monde nous fait des tapes dans le dos et la nourriture est servie par le commis au vivre, Bastien Ducornet. Que faites-vous? Moi, je laisse les camarades y aller d'abord. Je suis pas quelqu'un qui a... j'ai plutôt des bonnes manières et une bonne éducation, donc du coup, je sais que... eux ils vont y aller, je prendrai les restes, je suis plutôt frêle, j'ai pas forcément besoin de beaucoup manger. Donc je les encourage à aller sur le buffet en fait pour se servir. Personnellement je vais me changer, me sécher, me rincer aussi parce que l'eau salée c'est pas terrible, on a de quoi se rincer. Et puis après je vais m'en manger. Parfait. Moi, je vais prendre un morceau de ce qu'on nous sert à manger, je vais le mettre dans un coin, et puis je vais sortir. On est dans quelles années à peu près? Je peux avoir une photo? Je l'ai dit, hein, 19e siècle, 1838. J'ai un croquis, j'ai un croquis de ma femme et de mes enfants sur moi que je sors et que je contemple un peu avec satisfaction en me disant que... on va bientôt rentrer et pouvoir nourrir tout ce petit monde.
Justement, Martin, tu entends une voix derrière toi tandis que tu es en train de contempler ce croquis. Alors, c'est ta famille. C'est Théophile Honora, un des membres avec qui tu as sympathisé depuis ces dernières semaines. Ouais. Je te vois. Bien sûr. Je lui montre. Ouais, belle famille. Ma femme, Elisabeth, et puis mes 5 enfants, James, Nicolas, Arthur, Sophia et Bethany. Je comprends pourquoi t'es là. Ça fait du monde à nourrir. Et oui, c'est vrai, et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de prise. Ouais, et il te rend le dessin. Tu sais pas si il était vraiment intéressé ou si c'était un prétexte. Il regarde le capitaine et il dit « Bon, il a l'air de se réjouir pour une prise, mais bon... » Une baleine, même une comme ça, en plusieurs semaines, ça t'a remotivé, toi ? Un petit peu, mais... Écoute, c'est toujours mieux que pas de baleine. Ouais, mais ça va encore être long. Ouais, il va falloir en reprendre encore et prendre encore des risques. Mmh. Ouais. Ça fait beaucoup, je trouve, pour si peu. Enfin bon, allez. Viens, on va manger un peu. J'espère que ce qu'il a préparé, c'est bon, pour cette fois. Hein ? Elias ! Elias ! Elias ! C'était génial ! C'était génial ! Je l'ai vu avec la longue vue ! C'était excellent ! Je t'ai vu manœuvrer, comme ça avec les rames et tout ! Incroyable ! Quand tu l'as évité, là, je sais pas qui est tombé à l'eau, tu l'as évité, mais c'était incroyable ! Et franchement, tu pourrais dire au capitaine que la prochaine fois, je suis prêt à participer. Je viens dans ta baleinière, je serai à la rame d'à côté et je t'épaulerai comme ça quand tu tourneras. Moi, j'appuierai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Julien Vigneault, le mousse. Non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Tu mettras pas les pieds sur cette baleinière, c'est vraiment trop dangereux. T'as vu Louis comme il est tombé ? Il aurait pu y rester. Ah, hors de question. Non, mais il en est ressorti, regarde, il est parti se changer, là. Il en est ressorti parce qu'il a eu les bons réflexes, parce qu'il sait comment faire, parce qu'il fait ça depuis des années. Toi, ça fait combien de temps que t'es là-dessus ? Bah, ça fait 4 mois. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais regarde-en plusieurs comme ça, et quand on aura vu, allez, une dizaine, peut-être que j'en parlerai au capitaine. Oh là. Moi, je vais en parler à tonton. Tu vas voir. Il voudra bien. Allez, mais... Non, en fait, il voudra pas. C'est pour ça que je t'en parle à toi. Tu es sûr que tu veux pas ? Et si tu tombes, je fais quoi, moi ? Je suis le... Bah, et ouais, on laisse échapper la baleine. On a dû choisir, là. Je savais que je pouvais laisser Louis, il allait se débrouiller. En plus, Martin, il lui a lancé le harpon. T'as vu comme il a fait ? S'il avait pas lancé le harpon, il se serait noyé. J'ai pas envie qu'il t'arrive pareil. Ouais, bah... D'ailleurs, beau lancer, hein. Hé, hey, Martin ! Super le lancer, là ! Presque aussi bien que Kalimo ! Ouais... Mais bon, t'es pas encore à son niveau, hein ? Hein ? Hein, Kalimo, qu'il est pas à ton niveau ? Pas trop. Hein. Je suis dans mes pensées, là. Théophile, il m'a un peu retourné la tête, là. Ah ouais, te cherche pas trop, allez, laisse-le. Ouais, bon. Théophile, qui, au passage, est l'oncle de Julien. Julien qui a 15 ans. C'est tout jeune. Louis, alors que tu vas te changer, tu te retrouves... sous le pont. Et il y a quelques... Tout le monde dort au même endroit, plus ou moins, mais il y a quelques séparations quand même. Toi, tu dors juste à côté, lorsque tu dors, bien sûr, de Kaimo, l'indigène, qui est déjà là, lorsque lui, là, il est allé voir personne. Il est rentré directement dans sa case, sur son dortoir, pour déposer ses affaires en ordre. Ses harpons qui posent toujours au même endroit. Tu es nouveau ici sur le bateau. Tu t'es lié d'amitié avec lui au début. Au début, il te faisait un peu peur. Enfin, il était taciturne. Comment ? Taciturne et toujours à regarder ses harpons. Il a un couteau aussi qu'il pose toujours sous son oreiller, alors qu'il n'y a pas de risque ici. Mais, finalement, c'est le seul qui, tous les soirs, te parle et te pose des questions sur ta vie, sur ce que tu fais là.
Et tu le vois au moment où tu arrives, il pose son couteau sous son oreiller. Il le tape comme ça. Et il te regarde, toujours impassible. Ça va ? Je me change, je me dis « Ouais, ouais, ça va. J'ai eu un peu peur. J'ai eu des idées qui me sont passées par la tête. Je pense que ça aurait pu me tuer. Bon, c'est pas grave. Je suis sorti. Tu viens pas manger ? Ça va nous changer des idées ? Si, je vais venir. J'ai un peu faim. Mais c'est un peu bruyant pour l'instant. Il fait tout ça, mais... Et toi, ça va ? Ça va, j'ai touché la baleine. Donc, j'ai plutôt vu. Une bonne chose. Et du coup, c'est la première d'une longue série, on va espérer. C'est possible. Mais rien n'est sûr, tu le sais. Mais c'est possible. Moi, je pense qu'il est temps. Au moins, on en a une. Peut-être que ça va enfin casser cette série de déceptions. On va peut-être enfin aller de l'avant. C'est ce que semble dire le capitaine. C'est ce qu'il dit tous les 3 jours à peu près. Ouais. Faut être réaliste aussi. Là on a eu une prise. Faut être optimiste. Peut-être que je déserterai plus tard que prévu alors. Et il rit pas. Pourquoi tu voudrais déserter ? Il hausse les épaules. Je sais pas. Quand on n'a pas de baleine, à quoi ça sert de rester ? Ouais, c'est... Tu vas pas déserter, tu romps ton engagement. Enfin, t'es quand même pas... Sous un contrat, c'est... Chaque homme ici est là pour lui-même, d'une certaine manière. Ouais, même le capitaine. Bien sûr. On est tous là pour des raisons différentes, pour gagner notre croûte. C'est clair. Mais arrête de broyer du noir comme ça. Tu vas nous filer le bourdon. Allez, un petit sourire. C'est pour ça que je dis rien. Bon, bah alors, allons manger si tu veux. Si ouais. C'est... Mais bon, je les vois tous faire la fête, là. Ça sert à rien de se réjouir trop vite. Ça sert à rien de pleurer non plus. T'as raison. Mais il faut prendre les choses comme elles viennent. C'est Et ça. Tu sais, la mère, ce qu'elle donne, elle le reprend aussi. Ouais. Non, ça, je suis d'accord. Mais bon, allez. On va y arriver. Il fait mine de sortir et se dirige vers les escaliers pour remonter sur le pont. C'est une petite question. Quelqu'un d'autre a parlé ? Oui, j'ai dit que j'avais une petite question. Vas-y. Un bateau comme le nôtre, là, comme le... Celui-là, il peut... le rune, là, il peut transporter combien de baleines à la fois ? Disons que tu peux en avoir, je pense, 3 ou 4, et après, faut les... Quand les traîner, quoi. Voilà, après, il faut les découper et tout ça, parce que vous gardez pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, en fait, on va pas la garder entière jusqu'à ce qu'on arrive au port, on la découpe avant et... Exactement. Donc oui, on va remplir la cale, quoi, donc effectivement, on peut en prendre plusieurs. C'est ça. Je connais pas le process, en fait, donc... Bah, c'est des chasses... très très longue, des campagnes extrêmement longues. Ouais, c'est normal que ce soit long. Ouais, ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines, même s'il y a des escales, des choses comme ça. Tu peux pas te permettre de revenir au port tout le temps, c'est pour ça que vous êtes loin de votre famille pendant longtemps. Dans la cale, on a des tonnes de sel pour conserver la viande. C'est pas que la viande, hein, c'est la graisse aussi hein, que vous voulez réutiliser après. Ouais, j'imagine qu'on va pas gâcher la viande quand même. Mais... Non. Surtout que vous pouvez la prendre pour vous et tout ça. Ok. Elias, toi tu as ton bol aussi pour attendre ta pitance. Tout le monde se tape dans le dos, c'est bon enfant, ça rigole pas mal. Et t'as ton. Tu as le commis au vivre, Bastien Ducornet, qui vient avec sa casserole et qui te sert un genre de mixture. C'est jamais très bon ce qu'il fait. Il fait avec ce qu'il a aussi. Mais il se murmure que ce qu'il fait lui est particulièrement dégueulasse. La pitance, il dit bon bah le capitaine a l'air content, c'est bien. Ouais, merci Bastien, c'est bien. Oui, je pense qu'il y en a qui vont jaser que ça fait 2-3 semaines qu'on cherche et que c'est la première fois qu'on trouve, mais écoute, t'en penses quoi, toi ? Me plaindre, j'en pense quoi ?
Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Je suis là pour essayer de faire en sorte qu'on perde le moins de monde possible. Après, qu'on trouve ou qu'on trouve pas, personnellement, qu'est-ce que ça change ? Je vois. Ouais. Bon, en tout cas, fais un tour de l'équipage après, voir si tout le monde va bien. S'il n'y a pas des maladies qui traînent ou des choses comme ça. C'est ma phobie, surtout avec la bouffe. Tu veux dire que t'as peur de leur refiler la courante ? Non, j'ai peur que eux refilent à ma bouffe la courante et qu'ensuite je la refile aux autres. Tu vois ce que je veux dire ? T'inquiète, je te charrie. Bon, allez, ça marche. T'as vu des choses bizarres, il y a des gens... Je veux dire, on est nombreux sur ce rafio. Non, mais je te dis, c'est ma phobie. Après, à chaque fois que vous allez vous remonter à une baleine ou vous allez à la chasse et tout ça, on chope des saloperies comme ça, tu sais comment c'est. Et après, ça me retombe dessus parce que tout le monde a la courante et va chier dans un coin du bateau et on dit que c'est parce que ma bouffe est dégueulasse. Elle avait pas l'air vérolée, celle-là. Elle avait l'air plutôt pas mal, non ? Bah, c'est ce que j'arrête pas de dire. Mais ça se plaint tout le temps. En même temps, faut peut-être arrêter de tout cuire à l'eau de mer aussi. Je dis ça, je dis rien. Je suis juste médecin. Ouais, c'est vrai. Je l'oublie souvent. Tu m'en veux pas de t'avoir fait rentrer ici, quand même. Des fois, je me dis que tu pourrais. Si j'ai accepté, c'est que j'en avais besoin. T'as bien compris. Ouais. Ouais, c'est une belle prise. Il regarde la baleine, là, qui pend à la chaîne. Pas de quoi faire. Ça va peut-être remotiver un peu tout le monde. C'est bien. Regardez ces deux-là, là. Et il montre le capitaine et le second, Bernard Perrin, qui sont en train de parler. Le sourire aux lèvres, même le capitaine, qui en général n'est pas quelqu'un de très souriant, mais avec le second, il se parle. Copain comme cochon, ceux-là. Il a bien choisi son second, le capitaine. Bah, vaut mieux ça, j'ai envie de te dire, hein, parce que la mutinerie, on sait où ça finit. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, manger, il faut que j'aille servir Porcher. Il veut déjà une deuxième portion. Tu sais comment il est ? Ouais, je vais garder un œil sur lui si jamais ce sera le premier malade. Alors lui, il est jamais malade. Va savoir. Tant il en bouffe deux fois plus, alors que c'est peut-être pas ta faute. C'est exactement ce que je dis. T'as tout compris, Elias. Et donne une tape sur l'épaule. Vous allez avoir un peu de temps avant que la nuit tombe. Je vous laisse quartier libre. Ce n'est pas une injonction. Si vous avez voulu parler à quelqu'un entre vous, vous pouvez. Sinon, on passera à la suite. Est-ce que le capitaine, lui, il mange plutôt dans sa cabine ? Enfin, il y a une espèce de cabine des officiers où il est sur le pont à tout. Il a une cabine, ouais. Mais il mange dans un coin un peu à l'écart, en regardant, en laissant les hommes parler entre eux. Il s'entretenait surtout avec Bernard Perrin. D'accord. Toi aussi, si tu veux lui parler, tu peux. Hein, t'es lieutenant... Il est plutôt discret, tu vois. Non, non, moi je préfère être aux côtés des hommes avec qui on a vécu la capture. Et donc je suis plutôt près de Martin, près d'Elias, mais je n'interviens pas trop dans leur discussion, mais je suis juste plutôt à proximité là. C'est vrai que Martin, ouais. il est un peu taciturne depuis un petit moment là. Et ça fait vraiment plusieurs semaines que j'ai pas lâché un sourire. Et si t'engages pas la conversation avec moi, clairement, je viendrai pas l'engager avec toi. Non pas que je s'entends pas ou que je t'aime pas ou quoi que ce soit, mais c'est ton état le caractère. Non, non, moi je vois que t'as l'air bourru et je suis pas trop à l'aise avec ça en fait. Du coup, j'engage pas la conversation avec toi. Par contre, voilà, si peut-être je me rapproche de lui qui est un peu plus jeune et pour voir comment il va et comment il. Alors, t'as une sacrée frayeur, Figar. Bonsoir, lieutenant. Oui, je suis désolé encore une fois. Mais non, c'est bien que c'est pas ta faute. J'ai manqué de vigilance. Bah, j'aurais dû être plus vigilant. Je suis désolé. J'ai gêné la chasse.
Vous avez dû vous occuper de moi au lieu de vous occuper de la baleine, vous auriez pas dû. Alors à peine. Merci en tout cas. À peine. Le soir vient tout doucement. Le pont supérieur et le pont inférieur se font plus clairsemés, non qu'il n'y ait plus personne, mais les choses se font plus calmes. Certains sont allés dans leurs appartements, en tout cas dans les quartiers de l'équipage. Certains sont sur le pont, discutent calmement, jouent aux osselets. C'est la soirée dont on profite avant d'aller se coucher. Vous pouvez me dire soit ce que vous allez faire si c'est précis, si vous avez envie de parler à quelqu'un en particulier. Si ce n'est pas le cas, je voudrais savoir ce que vous faites globalement dans la soirée. Est-ce que vous allez vous coucher tout de suite? Est-ce que vous avez l'habitude de faire quelque chose en particulier? Et où vous vous situez sur le bateau? Pour ma part, je vais essayer de discuter encore avec un peu Kaimo. Essayer de le sortir un peu de son côté un peu noir, parce qu'il m'a fait du bien en étant sympathique avec moi. Et puis tous les soirs, j'essaye d'en savoir un peu plus sur lui, sur son histoire, et éventuellement s'il a vécu des coups durs, parce que je pense que s'il cache un couteau sous son coussin, c'est qu'il doit y avoir une raison. Mais ouais, je passe un peu de temps avec lui, à la belle étoile, là, sur le pont supérieur, et puis après, je vais me coucher, quoi. Okay. Très bien. Les hommes dorment... Ils n'ont pas des cabines individuelles, il y a des espèces de dortoirs pour les... Mais moi, est-ce que j'ai une cabine individuelle? Je pense pas, non. Pas dans un bateau comme ça. Ouais. Okay. Tu peux être peut-être un peu plus séparé, ouais, éventuellement, mais c'est tout. Moi, la lueur de la bougie, en fait, j'écris. J'écris sur du papier un peu ce qu'on vit au jour le jour. Je tiens une espèce de journal. Voilà. Ce que je fais moi plutôt le soir avant de me coucher, j'ai une espèce de pareil, un croquis de ma femme et de mon fils qui vient de naître et que j'ai quitté il n'y a pas longtemps, enfin qui est tout jeune, et j'écris comme si je lui écrivais une lettre à lui, mais bon, c'est pour moi que je garde un peu, c'est tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je vis dans les journées. D'accord. L'un de ceux qui est déjà dans son, qui a l'air un peu fatigué, il était avec vous dans le dans la baleinière, c'est l'aîné des frères Fourny, Barreur. Il est déjà assis sur son lit et puis il était en train de lire. Il lit beaucoup. Et il a posé son bouquin et il te regarde et te dit « C'était sportif tout à l'heure. Tu fais quoi là, si je peux me permettre ?» C'est moi qui parle ? Ouais. Je te vois tout le temps écrire. Et t'as vu, moi je lis beaucoup, alors... C'est rare ici. Les gars, ils sont pas vraiment occupés à ça. Non, écoute. Moi, ça me permet de me recentrer sur mes objectifs. J'ai besoin de garder une trace un peu de tout ce qu'on vit. Ça me... enfin, voilà, quoi. C'est pas des choses que je ferai dire, ni peut-être que je les jetterai une fois qu'on sera rentré. Mais j'ai besoin de... Voilà, c'est le lien que j'ai avec ma famille, en fait. Ça occupe l'esprit. Non, je comprends. Moi, je fais ça... par les livres. J'essaye d'encourager mon frère à lire aussi, ou à écrire, ou à laisser une trace, mais peut-être parce qu'il est jeune, mais Jean-Baptiste, c'est pas son truc. Tu vois, lui, il vit au jour le jour. Ce qui l'intéresse, c'est la baleine qu'on a pris, la chasse. Réfléchis pas comme ça, et je pense qu'il est comme la plupart des membres de l'équipage ici. Et pour moi, c'est important de se recentrer comme ça, d'écrire, de... Enfin bon. Des fois, ça me manque, la terre ferme, pour ces choses-là. Ok. Qu'est-ce que tu lis ? Il te montre un bouquin, et c'est un bouquin sur l'exploration. C'est pas un roman. Enfin, non, c'est pas un roman. C'est un bouquin sur des îles, des choses comme ça, la faune, ce genre de trucs. Ok. Et lui, ça fait un moment qu'il voyage, hein. Enfin... Oui. Ouais, c'est un baroudeur, quoi. Exactement. Il a 29 ans, mais tu vois, c'est quand même... il a de l'expérience. Ok. Moi ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, d'ailleurs. Tu as envie de découvrir des choses? Qu'est-ce que...
On est toujours sur un bateau, finalement, on voit pas grand-chose. On fait une escale de temps en temps, mais au final, on est toujours sur l'eau. Alors c'est bien, mais... Et... Oh, c'était quoi ça? Il y a une clameur, vous l'avez tous senti. Tous senti, le bateau a été... C'est comme soulevé à un moment. Okay, moi, il y a comme une sorte de rumeur. Moi, je vais sur le pont. Moi, j'étais sur le pont. En train de contempler la baleine qu'on vient de... Je regarde les endroits où je l'ai harponné. Mmh. Oh, sûrement, j'imagine que... Enfin, je reste que plusieurs minutes, hein, vraiment, à la regarder. Un peu dans mes pensées en même temps. Puis je finis par m'asseoir en face d'elle. Et je sors mon calepin dans lequel il y a les croquis. Et puis je commence à esquisser un peu la baleine. Et qu'est-ce que tu fais quand tu sens cette secousse que vous sentez tous sur le bateau, je le répète, hein. Ouais. C'est comme si le bateau avait été violemment soulevé par en dessous. Je me lève d'un coup et puis je regarde tout autour de moi. Tu vois les mecs qui jouaient aux osselets qui sont là. C'était quoi ça? Il s'est passé quoi là? On a percuté quelque chose? Je sais pas, c'était de l'autre côté, là. Il y a des gars qui vous font signe de l'autre côté, de pas là où est la baleine, l'autre côté du pont. Okay. On a senti un truc, ça s'est littéralement soulevé. C'était pas comme un choc. Il y a quelque chose dessous. On voit pas de terre, hein. C'est la nuit et on est au milieu de nulle part. C'est la nuit, vous êtes au milieu de nulle part, dans la mer. La coque a pas pris de choc? Faudra aller voir, non? Dans le fond. Il faudra aller voir, ouais. Faut qu'on envoie quelqu'un... En bas, peut-être. Ouais, je vais aller voir dans le fond de calme. Okay, moi, je demande à Elias, des hommes d'allumer des torches sur le pont pour qu'on puisse regarder par-dessus les lanternes, quoi. Le pont, pour voir l'eau. Ouais, ok. Ils amènent des lanternes, ils regardent là où il y a eu le côté où il y a eu le soulèvement. Ils regardent l'eau. Il n'y a rien. Elias, t'es où? Moi, j'étais parti du principe que j'étais resté sur le pont aussi. Raconter des histoires, jouer aux osselets, manger avec tout le monde et surtout surveiller un petit peu les petits jeunes qui pourraient faire des conneries. Donc j'avais eu pour habitude, comme tu demandais, de me coucher dans les derniers, une fois qu'il n'y avait plus que les grands gaillards costauds qui étaient capables de s'occuper d'eux-mêmes. Et donc je pense que j'étais dehors en train de parler un petit peu avec tout le monde quand y a eu ce choc. Donc je pense que je me suis relevé aussi d'un coup et... On peut essayer de me renseigner sur ce qui s'est passé. Ça ressemble à rien qu'on ait jamais vécu, quoi. Je veux dire... Non, parce qu'en plus, c'est même pas une percussion. C'est comme si le bateau avait été soulevé. On n'a pas entendu de craquement de bois ou... Non. J'ai un léger choc en dessous, léger, mais comme s'il y avait eu un contact. Moi, j'ai pris une lanterne et je descends dans la cale, hein. Ok. Tu descends dans la cale. Enfin, tu veux vérifier que c'est pas abîmé, c'est ça que tu voulais? Ouais, ou qu'il n'y ait pas une fuite, ou qu'il n'y ait pas de l'eau qui commence à s'infiltrer, quoi. Tu vérifies. Tu as l'air complètement sec. Pas de problème. Et Louis, t'es où, toi? T'étais en bas aussi? Ah, t'es remonté, c'est monté sur le pont. On était sur le pont avec Kaimo, je pense qu'on y est encore. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Okay. Et donc moi je regarde par-dessus bord, voir si je vois quelque chose, quoi. Tu regardes par-dessus bord, peut-être un peu de l'autre côté, au niveau de la proue peut-être, pour vérifier, parce que tout le monde est en train de regarder avec les lanternes, tous ceux qui sont sortis en tout cas. Et c'est là que vous entendez un énorme coup. Qu'est-ce que c'était que ça? Essaye de voir s'il y a quelqu'un. La baleine est encore accrochée. Elias, lorsque tu regardes, tu constates que il n'y a plus qu'une partie de la queue de la baleine. Elle a été complètement arrachée. Tout est parti. Je vais pas pouvoir m'empêcher de jurer. Sacre Dieu! Regardez ça! Quelque chose a bouffé la moitié de la baleine! Je vais pointer le doigt comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais regarde, on nous parlait! Ils se rapprochent tous là avec leurs lanternes. Il y a même Lucien Royer qui est sorti. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai senti quelque chose, on a percuté quelque chose? Capitaine, quelque chose a pris la moitié de notre baleine. Regardez, bon sang.
Ah non, 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 non!